une nouvelle de Philip K. Dick, La planète impossible. Elle reste là sans bouger, fit Norton nerveusement. Il faut que vous lui parliez, capitaine. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle réclame un ticket. Elle est sourde comme un pot. Elle reste à vous regarder et refuse de s'en aller. Ça me rend nerveux. Le capitaine Andrews se leva lentement. D'accord, je vais la voir. Faites-la entrer. Merci. Norton lança au vide du couloir. Le capitaine va vous parler. Venez. Il y eut un mouvement à l'extérieur de la cabine de contrôle, un éclair métallique. Le capitaine Andrews repoussa son travail et attendit. « C'est là. » Norton réapparut. « De ce côté, exactement. » Derrière Norton venait une vieille femme minuscule et toute ridée, accompagnée d'un ruban étincelant, immense serveur robot qui la soutenait du bras. Le ruban et la petite vieille pénétrèrent lentement dans la pièce. « Voilà ses papiers. » Norton glissa un dossier sur la table des cartes, la voix tendue. Elle a 350 ans, une des plus vieilles de l'univers qui marche encore. Elle vient de Riga 2. Andrews feuilleta doucement le registre. Devant le bureau, la vieille femme resta debout, sans un mot, les yeux figés sur un objet invisible derrière le capitaine. Des yeux bleus pâles, comme de la porcelaine de Chine antique. Irma Vincent Gordon, murmura Andrews. Il releva les yeux. Est-ce exact ? La vieille ne répondit pas. Elle est complètement sourde, monsieur, expliqua le ruban. Andrews grommela et retourna à sa lecture. Irma Gordon avait été parmi les premiers colons du système de Riga. Origine inconnue, probablement née sur un des vieux vaisseaux sublimiques en plein espace. Il eut une étrange impression que la petite créature fanée avait vu des siècles. Quel changement ! Elle veut voyager ? Demanda-t-il au ruban. Oui, monsieur. Elle est venue directement de chez elle acheter un ticket. Peut-elle supporter le voyage ? Elle a déjà fait le chemin de Riga à ici, Vomalnaut 9. Où veut-elle aller ? Sur Terre, monsieur, fit le ruban. La Terre ? La mâchoire d'Andrews en tombait de stupéfaction. Il jura entre ses dents. Que voulez-vous dire ? Elle désire se rendre sur la Terre, monsieur, répéta le ruban. Vous voyez, intervint Norton, complètement folle. Agrippant les bords de toutes ses forces, Andrews s'adressa à la femme. « Madame, je ne peux pas vous vendre un ticket pour la Terre. »« Elle ne vous entend pas, » fit remarquer le ruban. Andrews trouva un morceau de papier sur lequel il écrivit en capital « Je ne peux pas vous vendre un ticket pour la Terre. » Il le tint en l'air. Les yeux de la vieille femme bougèrent comme elle étudiait le message, ses lèvres se convulsaient. « Et pourquoi pas ? » dit-elle enfin d'une voix semblable au crissement ténu des feuilles caressées par le vent. Andrews griffonna une réponse. « L'endroit n'existe pas. » Il ajouta en caractère plus appuyé « Mythe, légende, jamais existé. » Les yeux décolorés de l'ancêtre laissèrent les mots et se reportèrent sur Andrews. Le regard était fixe, le visage sans expression. Le capitaine commença à se sentir mal. Près de lui, Norton suait à grosses gouttes. « Jésus, murmura-t-il, débarrassez-nous d'elle, ou elle va nous porter malheur. » Andrews s'adressa au ruban. « Ne pouvez-vous pas lui faire comprendre ? La Terre n'existe pas. Cela a été prouvé 1000 fois déjà. Il n'y a pas de planète originaire. Tous les savants sont d'accord pour dire que la vie humaine est apparue en même temps dans tout l'univers. » « Elle désire aller sur Terre, » répéta patiemment le ruban. « Elle a 350 ans et ils ont cessé de lui donner son traitement de soutien. Elle veut visiter la Terre avant de mourir. »« Mais c'est un mythe, » explosa Andrews. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, mais les mots ne sortaient plus.
Combien vous dois-je ? Fit la vieille dame. Combien cela coûte-t-il ? Je ne peux pas, hurla Andrews. Il n'y... Nous avons 1 kilo de positif, fit le Reuben. Andrews se figea brusquement. 1 millier de positif ? Il était devenu blanc d'étonnement. Toute couleur avait quitté son visage aux mâchoires serrées. Combien ? Répéta la vieille. Combien ? Est-ce que ce sera suffisant ? Demanda le Reuben. Pendant plusieurs instants, Andrews avala sa salive en silence, puis retrouva soudain la voix. « Bien sûr, fit-il. Pourquoi pas ?»« Capitaine, protesta Norton, vous êtes devenu fou. Vous savez bien que la Terre n'existe pas. Putain de Dieu, comment pourrions-nous ?»« Bien sûr que nous l'emmènerons. » Andrews reboutonna lentement sa veste, les mains agitées de tremblement. « Nous l'emmènerons dans n'importe quel coin de l'univers. » « Dites-lui cela. Pour 1000 positifs, nous serons très heureux de faire le voyage de la Terre, d'accord ?»« Bien sûr, » fit le Reuben. Elle a fait des économies pendant des dizaines d'années dans l'attente de ce jour. Elle va vous donner le kilo de positifs tout de suite. Elle les porte sur elle. « Écoutez, » fit Norton, « vous pouvez attraper 20 ans avec ce coup. » Ils vous supprimeront votre permis de vol et votre carte de citoyen, et puis... Taisez-vous. Andrews activa le cadran de radio-guide intersystème. Les fusées grondèrent et tressautèrent sous leurs pieds. Le gros vaisseau avait atteint l'espace. « Je veux la bibliothèque principale du Centaure 2 », fit-il dans le micro. « Même pour 1 millier de positifs, vous n'y arriverez pas. Personne ne le peut. » Ils se sont fatigués à chercher la Terre pendant des générations. Des vaisseaux du directoire ont visité les planètes les plus piquées des vers. De là, le radioguide cliqueta. Ici, Centaure 2. Les renseignements. Norton agrippa le bras d'Andrews. S'il vous plaît, capitaine, même pour 2 kilos de positif, je désire les informations suivantes, fit Andrews dans le micro-caméra. Tous les renseignements connus concernant la planète Terre, berceau légendaire de la race humaine. Aucun fait connu, répondit après un décalage la voix détachée du moniteur de la bibliothèque. Le sujet est classé dans la série Méta-renseignements. Quels sont les bruits invérifiables mais persistants qui circulent encore ? La plus grande partie des légendes concernant la Terre se sont perdues durant le conflit Centaure-Riga. De 4-B883A. Ne survivent que des fragments selon lesquels la Terre est, suivant les sources, une grosse planète entourée d'un anneau et de 3 lunes, une planète petite et dense, avec un seul satellite. Le premier d'une série de 10 corps planétaires tournant autour d'une naine blanche. Quelle est la légende la plus répandue ? Le rapport Morrison de 5-C2-IR a analysé la somme des entrées ethniques et subliminales de la légende. Le résumé final note que la Terre est généralement considérée comme une petite planète, la troisième du système de 9, avec une seule lune. À part ces éléments, rien d'autre ne se répète de manière significative. Je vois. La troisième planète du système de 9, une seule lune. Andrews coupa la communication et l'écran s'assombrit. « Alors ?» fit Norton. Andrews se leva rapidement. « Elle connaît probablement par cœur toutes les légendes sur la question. » Il montra le plancher de l'index. Le quartier des passagers était en dessous. « Je veux prendre tous les renseignements possibles. Pourquoi ? Qu'allez-vous faire ?» Andrews ouvrit le référentiel des étoiles, fit courir un doigt sur l'index et libéra le chercheur qui fit bientôt jaillir une carte. Il l'attrapa pour l'introduire dans le pilote Reuben. « Le système d'Amphore, » murmura-t-il, plongé dans ses pensées. « Amphore ? Nous allons là-bas ? » D'après la carte, il existe 90 systèmes qui correspondent à la description. Des 90, Amphore est le plus proche. Nous nous dirigeons en ce moment vers lui. « Je ne comprends pas, » protesta Norton. « Amphore est une région de petit commerce. Amphore 3 n'est même pas un repère de classe D. » Le capitaine Andrews lui fit une grimace entendue.
En Fort 3 ne possède qu'une lune et se trouve en troisième position à partir de son soleil. Il a 8 compagnons planétaires. C'est tout ce que nous voulons. Quelqu'un en sait-il plus sur la Terre ? Il jeta un regard sur le sol. Est-ce qu'elle en sait plus ? Je vois, fit Norton lentement. Je commence à comprendre votre raisonnement. Amphore 3 tournait lentement au-dessus du navire spatial. Un globe d'un rouge terne entouré de nuages blafards, à la surface brûlée et corrodée, interrompu par les restes congelés d'anciennes mers. Des falaises érodées et craquelées montaient encore bravement à l'assaut du ciel. Les plaines absolument plates avaient perdu leur sol et s'étendaient, carcasses désolées, nues, sous le soleil. D'immenses gouffres perçaient la surface du sol, çà et là, comme une multitude de plaies béantes. Norton fit une grimace de répulsion. « Regardez ça. Reste-t-il encore quelque chose de vivant là-dessous ?» Le capitaine Andrews fronça les sourcils. « Je n'avais pas réalisé qu'elle était tellement esquintée. » Il se dirigea brusquement vers le pilote Roban. Il devrait théoriquement y avoir un rayon guide quelque part en bas. Je vais essayer de m'amarrer. Un rayon de guidage ? Vous voulez dire que cette poubelle est habitée ? Il reste quelques amphorites, un genre de colonie commerciale dégénérée. Andrews consulta la carte. Des navires marchands passent parfois de ce côté. Le contact avec cette région est demeuré vague depuis la guerre Centauriga. Le couloir résonna de sons lointains qui se rapprochèrent. Le Roban étincelant et Madame Gordon émergèrent dans la cabine de contrôle. Le visage de la vieille femme luisait d'excitation. « Capitaine, est-ce que c'est la Terre qu'on voit là-bas ?»« Oui, madame, » fit Andrews avec un signe de tête affirmatif. Le Roban conduisit Madame Gordon près du vaste écran d'observation. Le visage de la vieille femme se convulsa. Des soubresauts d'émotion bouleversaient ses traits décrépits. « Je ne peux pas croire qu'il s'agit de la Terre. Cela semble impossible. » Norton jeta un regard perçant à Andrews. « C'est la Terre, » affirma Andrews, évitant les yeux de Norton. « La Lune devrait apparaître bientôt. » La forme rabougrie ne répondit pas. Elle s'était retournée. Andrews prit contact avec le guidage et le pilote programma le Roban. La fusée frémit et commença alors à tomber comme une pierre tirée par le rayon venu d'Amphore. « Nous atterrissons, » fit Andrews à la vieille femme, lui touchant l'épaule. « Elle ne peut pas vous entendre, monsieur, » rappela le Roban. Andrews grommela. « Eh bien, elle peut voir. » La surface grêlée, détruite d'Amphore 3, montait rapidement sous eux. Le vaisseau pénétra dans la ceinture de nuages, puis émergea, survolant une plaine dénudée qui s'étendait à perte de vue. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» demanda Norton à Andrews. « Une guerre ?»« Oui, des bombes. Et la planète est très vieille. Les cratères sont probablement dus à des déflagrations. Quelques-unes des longues tranchées ont peut-être été creusées par des équipes de recherche minière. On dirait qu'ils ont vraiment épuisé... Tous les filons, le citron n'a plus d'écorce. Une rangée de montagnes brisées aux sommets érodés fila sous le vaisseau sans qu'ils aient l'occasion de les examiner. Ils approchaient maintenant des résidus d'un océan. L'eau noire et insalubre battait sous leur coque. Une vaste mer débordant de sel et de débris aux rivages enfouis sous des monceaux d'immondices qui montaient la garde comme un rempart autour des flots. « Pourquoi tout est-il tellement dégradé ?» demanda soudain Madame Gordon. Le doute se lisait sur ses traits. « Pourquoi ?»« Que voulez-vous dire ?» fit Andrews. « Je ne comprends pas. » Elle fixait d'un regard incertain la surface qui défilait sous eux. « Ça ne devait pas ressembler à cette désolation. La terre était verte, verte et vivante. Des masses vivifiantes, d'eau très bleue et... Sa voix se perdit dans des abîmes insondables. » Pourquoi ? Andrews prit un papier qui traînait sur la table et écrivit « Les opérations commerciales ont fini par épuiser la surface. » Madame Gordon étudia les mots, les répétant à voix basse.
Elle eut une sorte de spasme qui secoua son corps fragile et desséché. Épuisée, sa voix s'éleva en une plainte aiguë. « Ça ne doit pas être comme ça. Je ne le veux pas. » Le Roban lui prit le bras. « Elle ferait mieux de se reposer. Je vais la ramener à ses quartiers. Prévenez-nous lorsque vous aurez atterri, s'il vous plaît. » « Bien sûr, » approuva Andrews, mal à l'aise, pendant que le Roban conduisait la vieille femme hors de la cabine. Elle essayait de se raccrocher au garde-fou de l'écran de vision, le visage tordu par la peur et la stupéfaction. « Quelque chose ne va pas, » pleurait-elle. « Pourquoi faut-il que tout soit comme ça? Pourquoi ?» Andrews se détendit, le corps soudain léger. « Bon Dieu !» Il alluma une cigarette en tremblant. « Quel raffut pour une si petite personne. Nous sommes presque arrivés, » fit Norton, d'une voix glacée. Ils sortirent avec précaution dans un vent terrible qui les cinglait sans cesse. L'air avait une mauvaise odeur, aigre et âcre à la fois, comme une cargaison d'œufs pourris. Le vent amenait du sable et du sel dans leurs figures. Quelques kilomètres plus loin dormait la mer épaisse. Ils pouvaient l'entendre clapoter faiblement avec des bruits gluants. Quelques oiseaux passèrent dans le ciel, leurs longues ailes battant sans un son. « Quel endroit déprimant !» murmura Andrews. « Oui, je me demande ce qu'en pense la vieille dame. » Sur l'échelle de sortie apparut le Roban éclatant qui portait à moitié la vieille femme. Celle-ci bougeait avec des mouvements hésitants, chancelants, serrant très fort le bras du Roban dont le métal semblait indestructible. Un instant, elle tituba, puis descendit jusqu'au sol accidenté. Norton secoua la tête. « Elle n'a pas bonne mine. C'est l'air et le vent ?»« Je ne sais pas. » Andrews revint vers Madame Gordon et le Roban. « Comment va-t-elle » demanda-t-il à celui-ci. « Pas bien du tout, » répondit le Roban. « Capitaine, » murmura la vieille femme. « Oui ? » ?»« Vous devez me dire la vérité. Est-ce vraiment la terre ?» Elle observait attentivement ses lèvres. « Vous le jurez, jurez-le !» Elle criait, terrorisée. « Bien sûr que c'est la terre !» jeta rapidement Andrews, d'un ton irrité. « Je vous l'ai déjà dit, nous sommes sur terre !»« Rien ne ressemble à la terre !» Madame Gordon se raccrochait à la réponse d'Andrews, prise de panique. « Ça ne ressemble pas du tout à cette planète. Est-ce vraiment la terre, capitaine ?» « Oui. » Son regard s'échappa vers l'océan. Une étrange expression clignotait sur son visage fatigué, brûlant ses yeux usés d'une soudaine passion. « Est-ce de l'eau ? Je veux la voir. » Andrews se retourna vers Norton. « Sortez le glisseur et conduisez là où elle désire. » Norton se recula avec colère. « Moi ? C'est un ordre. » « Très bien. » Norton revint à contre-cœur vers le vaisseau. Andrews alluma une cigarette et attendit, pensif. Bientôt, le glisseur descendit de la soute, soufflant du sable dans leur direction. « Vous pouvez lui montrer tout ce qu'elle veut, » dit-il au Roban. « Norton vous conduira. »« Merci, monsieur, » fit le Roban. « Elle vous en sera reconnaissante. Elle a attendu toute sa vie de se retrouver sur Terre. » Elle se souvient des récits de son grand-père sur le pays. Elle pense qu'elle est venue de la Terre il y a bien des siècles. Elle est très vieille. Elle est la dernière survivante de sa famille. Mais la Terre n'est qu'un... Il se rattrapa à temps. Je veux dire... Oui, monsieur. Mais elle est si vieille et a attendu tellement longtemps... Le Roban se tourna vers la vieille femme et la conduisit délicatement vers le glisseur. Andrews les regarda partir d'un œil morne, se frottant le menton et une grimace aux lèvres. « On y est ?» fit la voix de Norton à l'intérieur du glisseur.
Il ouvrit l'habitacle et le Roban y introduisit sa protégée avec précaution. La porte coulissante se referma sur eux. Un moment plus tard, le petit appareil fila comme une flèche sur le sel entassé, vers l'immonde océan clapotant. Norton et le capitaine Andrews faisaient inlassablement les 100 pas le long du rivage. Le ciel s'assombrissait. Des nappes de sable bondissaient vers eux avec l'aide du vent sempiternel. Les étendues de boue empestaient dans les dernières lueurs du jour. Au loin, rendu flou par la distance, on pouvait vaguement apercevoir une ligne de collines dans le silence et les brumes. « Continuez, » fit Andrews. « Qu'a-t-elle fait ensuite ?»« Rien du tout. Elle est sortie du glisseur avec le Roban. Je suis demeuré à l'intérieur. » Ils sont restés à regarder l'océan. Au bout d'un moment, la vieille a renvoyé le Roban dans l'appareil. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle voulait être seule, je suppose. Elle a attendu encore un moment, continuant à scruter les eaux, puis elle a fait quelques pas vers la plage. Le vent se levait et l'eau envoyait de petites vaguelettes vers ses pieds. Tout d'un coup, elle est tombée, comme une masse. Elle s'est affaissée, comme un tas de chiffons sur le sable cendreux. Et alors ? J'étais encore sous le coup de la surprise que le Roban avait déjà sauté à terre et courait dans sa direction. J'ai couru vers lui en criant, mais il était entré dans l'eau pour disparaître aussitôt. Il s'est englouti dans la boue et la saleté. Norton frissonna, avec le corps de la vieille. Andrews jeta sa cigarette d'un geste rageur. Elle roula longtemps, tache rouge, derrière eux. Quelque chose d'autre ? Rien de spécial ? Tout est arrivé tellement vite. Il y a un instant, elle était là, à regarder l'eau, et puis l'instant d'après, elle cassait comme une branche morte. Et le Roban plongeait au fond de l'eau avant que j'aie pu réagir. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Le ciel était presque noir maintenant. De grands nuages passaient sur les étoiles si lointaines dans cette région de l'univers. Nuages faits d'exhalaisons malsaines venues des marées et de particules de détritus. Une bande d'immenses oiseaux coupait l'horizon d'un vol muet. La lune montait au-dessus des collines, un globe dénudé à l'éclat maladif à peine jaunâtre, comme un vieux parchemin. « Rentrons dans le navire, » proposa Andrews. « Je n'aime pas cet endroit. » Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de cette histoire, cette vieille femme. Norton secoua la tête. « Le vent, des toxines radioactives, j'ai vérifié par Centaure 2. La guerre a dévasté le système tout entier, laissant la planète à l'état d'épave mortifère. Alors, nous n'aurons pas... Non, nous n'aurons pas à répondre de sa mort. » Ils continuèrent à marcher un moment en silence. « Nous n'avons rien à expliquer. » C'était déjà trop évident. Toute personne qui arrive ici, en particulier si elle est vieille, pas un individu sain d'esprit ne viendrait ici, coupa Norton d'une voix amère, tout particulièrement une personne âgée. Andrews ne répondit pas. Il avançait, la tête baissée, les mains dans les poches. Norton suivait en silence. Au-dessus d'eux, la lune prit un éclat plus brillant, comme elle quittait les brumes pour entrer dans un carré de ciel clair. Au fait, fit Norton, dont la voix était froide et distante, derrière Andrews, c'est le dernier voyage que je fais avec vous. Dans le vaisseau, j'ai rempli une requête officielle de transfert de licence. Oh ! Je préfère vous prévenir. Vous pouvez d'ailleurs garder ma part de positif. Andrews rougit et accéléra le pas, creusant un écart avec Norton. La mort de la vieille femme l'avait secoué. Il alluma une autre cigarette et la jeta aussitôt. Et puis, merde, quoi ? C'était pas sa faute. Elle était tellement âgée. 350 ans, sénile et sourde. Une feuille flétrie, emportée par le vent empoisonné qui griffait et labourait sans fin le visage ruiné de la planète. Le visage ruiné, cendre et sel, détritus, sans poubelle.
la ligne brisée des collines croulantes et le silence éternel, rien que le vent et le bruit mou des eaux denses et stagnantes, les oiseaux noirs dans le ciel. Quelque chose brillait, quelque chose juste devant ses pieds dans la cendre, reflétant la pâleur uniforme de la lune. Andrews se pencha et fouilla dans l'obscurité. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur. Il ramassa le petit objet circulaire et l'examina. « Étrange, » dit-il. Ce ne fut que loin dans l'espace, filant une route grondante vers Fomalhaut, qu'il se souvint du disque. Il se glissa hors de son fauteuil devant le panneau de contrôle et chercha dans ses poches. Le disque était usé et mince, terriblement vieux. Andrews le frotta pour qu'on pût observer sa surface, une impression quasiment effacée, forme vague, rien de plus. Il le retourna, un jeton, une rondelle de mécanicien, une pièce de monnaie. Sur son envers étaient tracées des lettres sans suite, une ancienne écriture maintenant oubliée. Il tint le disque dans la lumière jusqu'à ce qu'il déchiffre les lettres. « E pluribus unum ». Il haussa les épaules, jeta l'antique morceau de métal dans un vide ordure et reporta son attention sur la carte stellaire et le retour au pays natal. La planète impossible est une nouvelle de Philip K. Dick, extrait du recueil Le livre d'or de la science-fiction, Philip K. Dick, édité chez Press Pocket. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.